C'est l'heure du petit déjeuner au parc Maximilien. Du pain et une boisson chaude, bienvenue. Sur le site, les conditions de vie au quotidien deviennent de plus en plus difficiles. Le problème, c'est la météo qui n'est pas bonne. Vous le voyez bien, il pleut. Pendant la nuit, ça tombe très fort par moments. Et de nouveaux réfugiés arrivent chaque jour au parc. Face à une situation chaque jour plus précaire, la plateforme citoyenne lance un appel aux Bruxellois et les invite à accueillir chez eux un réfugié le temps qu'il obtienne sa première interview à l'Office des étrangers. Tant que les demandeurs d'asile sont accueillis avant la première interview, les réfugiés ne sont pas mis dans une situation difficile d'un point de vue légal, mais c'est important qu'ils se présentent à leur première interview. Donc nous, dans notre mise en place d'un système d'accueil, on veillera à ce que tous les demandeurs d'asile qui sont ici présents sur le campement soient présents à cette interview. Vanessa Van Straitem, bénévole sur le site, a fait le pas et accueille chez elle depuis hier Salam, un réfugié irakien. Une des choses qu'on puisse faire, c'est ouvrir non seulement nos cœurs, mais nos maisons aussi. On parle beaucoup de son histoire, il parle anglais, donc c'est un avantage évidemment, mais on découvre beaucoup de choses sur son parcours, le nombre de pays qu'il a traversé, combien d'argent il a dû payer pour arriver jusqu'ici. Puis il peut un peu parler de ses enfants, il a laissé 5 enfants là-bas. Donc on a l'impression d'être un petit peu un réconfort humain et familial. Mis en place un système internet, un site internet pour prendre les coordonnées des gens, savoir exactement de quel type de logement il s'agit. Maintenant, on va essayer de trouver plusieurs systèmes d'accueil, pas uniquement chez des particuliers, mais aussi dans les institutions, dans les universités ou autres. On va faire un appel plus général. Le système devrait être opérationnel dès samedi. La plateforme assurera la gestion et le suivi du site, car il y a urgence, dit-elle. Les 300 places ouvertes pour le pré-accueil WTC3 étaient cette nuit tout occupées. De son côté, le fédéral espère pouvoir ouvrir 200 places supplémentaires dans le bâtiment dès demain.